Ah. Ah. Je l'ai senti passer, ça. Je l'ai senti passer. Oh, what? Il est où? Ah. Voilà. Le son sera peut-être différent puisque je ne joue pas avec mon casque aujourd'hui. Ah, une vision des enfers. Ah mais laisse pas tranquille. Oh laissez-moi. J'aime pas les tuer avec autre chose qu'un flingue. Hein? Ah, mais bon, je suis bien content de vous voir. Je pourrais être seul et cet endroit fiche sa tête dans la trouille maintenant. Le circuit de l'hydrocom est grillé et est instable. Faites attention avec cette arme. Une seule balle dans les boucliers de verre pourrait faire sauter toute la zone. Je vais essayer de stabiliser ce truc. Sous contrôle, j'irai au bureau scientifique. Si je ne ramène pas l'hydrocone à des niveaux tolérables, il pourrait exploser.
Sympa. C'est quoi ça? Est-ce que j'ai des codes là? Non, non. Journal audio de Kyle Berger, responsable de la recherche pour le projet EPD. Le déconstructeur de phase élémentaire est opérationnel et les données rassemblées au cours des recherches sont impressionnantes. Malheureusement, nous avons subi un terrible accident la semaine dernière. Patterson, notre assistant, calibrait l'un des émetteurs quark dans la chambre et d'après les témoins, il aurait vu quelque chose qui lui aurait parlé. Il a reculé et juste dans le faisceau de base. L'arrière de sa tête comment a tu été vas arraché. Comment tu vas? Il a survécu quelques minutes dans un état très critique. Ses yeux roulaient dans tous les retour. Sens et il essayait de parler. Mais après avoir perdu autant de cervelle, ce n'était à mon avis que des réflexes. Enfin, à cause de cela, ok. Peut-être que je vais baisser un peu le son d'ailleurs, je sais pas. Là, je stream sans le casque, donc. Il se peut que le son du jeu soit trop fort. On vit. Oui, regarde. Ok. Et puis Doom 3, ça, il m'oblige à faire des trucs. Il m'oblige à mettre le jeu en mode fenêtré. Voir le streamer, parce que sinon. Ça freeze en fait. Mais attendez, mais qu'est-ce qui se passe là? Je suis pas si mauvais que ça. Je suis pas aussi mauvais quand même. Je suis mauvais à ce point là? Je suis vraiment mauvais à ce point là. On va se les faire la grenade finalement. La grenade, ça met tout le monde d'accord. Voilà. Voilà. La grenade, ça met tout le monde d'accord. D'accord. Eh ben d'accord. Je me demande s'il faut pas du coup que je baisse le son. Je sais pas du tout si on m'entend en fait. Moi c'est pour de m'entendre, mais. Mais bon, le doute m'habite. Ouais, de toute façon, on verra bien. Écoutez, pas envie de me prendre la tête là. Donc on verra bien. Les instruments ont l'air efficaces. Bonjour. Ah, mais t'arrives, non, mais c'est pas possible. Ah. Les ennemis, quand ils te tapent, en plus, la caméra, elle penche dans tous les côtés, tu deviens paralysé, tu peux plus rien faire. Très énervant. C'est très énervant. Très énervant ou alors doux énervant, je sais pas.
j'ai dit, non. Voilà. Ah, salopard. Je te vois. Coquinou. Oh, coquinou, mon coquinou, je te vois. Alors, petite sauvegarde. Ok. Mais j'ai dû louper Frix du coup là. Je sais pas s'il est toujours là ou pas. Allô. Ouais, chaque fois tu me fais peur. Je suis bien content de vous voir. Je croyais être seul et cet endroit affiche simplement la trouille maintenant. Les circuits de l'hydrocon ont grillé. Putain, dans ce moment-là, je me rends compte qu'il faudrait que je mette mon casque. J'en prends quasiment rien de ce qu'il dit. Une seule balle dans les boucliers de verre pourrait faire sauter toute la zone. Je vais essayer de stabiliser ce truc. Une fois qu'il sera sous contrôle, je vais au niveau scientifique. Ho. J'ai quoi déjà là-dedans? J'ai deux petits trucs, mais je les ai déjà vus tout à l'heure et je me suis fait tuer en plus. Non, il n'y avait pas de code de toute façon. Choubidou, choubida. Bichour. Aïe. Voilà. Une grenade. Petite grenade. Ça me donne presque plus envie de jouer à Quake 4 que Doom 3. Accès interdit. Des mondes plus sûrs pour tous. Pendant des siècles, les hommes se sont battus sur Terre pour deux éléments vitaux, le combustible et l'eau. Dans le but de créer des mondes plus sûrs pour tous, l'UAC a récemment levé le voile sur son programme de développement de l'hydrogène. Mais calmez-vous. Paf. L'hydrocon produit.
produit de l'oxygène et de l'hydrogène à un faible coût et sans danger, avec un minimum d'électricité. L'hydrogène sert ensuite d'hydrocarbure, une substance polyvalente propre pouvant être utilisée à la fois. C'est très intéressant ce que vous dites, mais bon... Moi je mets vertu à vouloir les tuer à la grenade absolument en même temps. Parce que c'est plus rigolo. Tuer des mouches au lance-roquettes, c'est très rigolo. J'ai pas dit que c'était pratique. J'ai dit que c'était rigolo. Oui. Des bras, c'est mignon. Ok. Non. Là. M'aider, quelqu'un me reçoit? J'émets en très basse fréquence, si vous m'entendez, je ne suis pas loin. S'il vous plaît, aidez-moi. Si vous m'entendez, aidez-moi. Thank you.
Depuis la naissance de la spatiale, l'Union a toujours non seulement cherché à développer de nouvelles technologies, mais elle a également poussé les développements à l'extrême. Étant donné la production d'hydrocarbures grâce à l'hydrocom, les équipes de spécialistes se sont posées la question suivante. Est-il possible de stocker et de distribuer ce carburant pour réaliser les matchs sur les profondeurs de l'espace? Sous la direction du docteur Malcolm Pettiger, les principaux soldats, l'équipe Bravo signale qu'elle vous a localisé mais ne peut pas vous rejoindre. Dirigez-vous vers le département d'ingénierie et essayez de la trouver dans les labos Alpha du secteur 3. Rapproche de la réalité les rêves de recherche et de colonisation des planètes les plus éloignées. Je peux vous aider. Et il n'y a plus de lumière. Je peux vous guider si vous me sortez de cette base. Allez, on ne peut pas attendre. Des décharges électromagnétiques ont fait sauter le système électrique de cette zone. Soyons prudents, une grosse décharge. On ne peut pas s'arrêter. Qu'est-ce que c'était? Ne vous éloignez pas. Attendre.
Puis mon micro, j'avais désactivé. Ah oui. Il désactive le micro, forcément. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh bah il s'est fait tuer le pauvre bougre. Le pauvre bougre. Désolé mon pote. Oh la violence. Alors 039, donc 039 on avait dit que c'était... Je sais plus. 102. Ouais. Ah oui, on va y avoir... On va avoir droit aux petites araignées maintenant. C'était saloperie. Ah oui, puis il va y avoir un boss là, ou je sais plus comment. Je sais plus. C'était sale bébête. La sale bestiole. Par là. Ah voilà. Là on va voir toutes les araignées. Voilà. Oh purée. Oh là là. Oh purée. Oh je les déteste. C'est bon. C'est de la sale bestiole. Et est-ce qu'il y a quelque chose là? Non, il n'y a rien. Aïe, oh. Aïe, aïe. Voilà. Allez, approchez-vous là, je vais se péter ça. Non, tu me fatigues. Je
tu me fatigues. Mais alors à un point. La méo. Milligan. C'est de la saloperie ça. Hein. Ah oui, là du coup il va falloir virer les... Ah purée. Il me pop dessus. Il va falloir virer des tonneaux toxiques. Danger, présence de gaz toxique. Éliminez les toxines de la pièce avant d'entrer. Voilà. Alors là, si je le mets là... ça. Lock. Oula. Là, ça va générer des salopards. Voilà. Oula. Allez, c'est pour Ati. Ça va encore générer des salopards. Où qui naît les salopards? Où qui naît? Est accessible. Marine, vous devez accélérer le pas. Nous avons encore perdu des hommes. L'équipe Bravo est en difficulté. Ah non? Ah, je m'attendais à ce que des gens viennent, mais non. Rien en dessous, par là il n'y a pas des trucs, non. Ah oui, oui, là je me rappelle de ça. Personne ne connaît les cordes. Ah, elle va les dire à tous les coups, elle va les dire à l'oral. Marc Lamia, coordinateur des opérations, 1er novembre 2145. Je remplis ce rapport car je suis outré au plus haut point par le niveau d'incompétence auquel je dois faire face à ce truc. Je ne sais pas où les erreurs sont les plus employés, mais les 5 derniers gars qu'on m'a envoyés sont une bande d'imbéciles.
Ils ne font jamais leur travail à temps. Je dois toujours les avoir à l'œil. Ils travaillent lentement, ils ne respectent pas les procédures standards et ils n'arrivent même pas à se rappeler les instructions basiques que je leur donne. Par exemple, j'ai changé les codes de la porte du bureau en 1, 2, 3 parce que j'ai pensé qu'ils s'en rappelleraient plus facilement, mais ils continuent à l'oublier. Je ne comprends pas comment les RH ne peuvent pas me trouver des personnes plus compétentes. Je demande l'entière liberté d'engager et de mettre à la porte mes propres employés. C'est la seule façon de faire tourner mon département correctement. Fin du journal. Ok. Il y a un autre PDA qu'on a trouvé là, c'est... ok. Oh là, il y a du monde là. On va faire péter tout ça là, je te dis. On va faire péter tout ça. Hey, allô, tonton Menu, comment tu vas? Bah oui, la forme. De retour à Paris enfin. Après presque deux mois de Normandie, au bord de la mer. Me revoici revenu. Et j'avais une envie brusque et soudaine de Doom 3. Parce que j'ai joué un peu sur la Switch. En Normandie, j'ai pas d'ordinateur, du coup j'ai que la Switch. Et les FPS à la Switch, genre Doom 3, c'est... Ah, c'est bien, j'avais envie de jouer à Doom 3, mais sur la Switch, c'est vraiment pas évident. De retour, non, de Normandie. Non, je sais pas si c'est, s'il y a un truc, là j'ai pas la ref. Hein. J'ai pas la ref. Et pan. Ah, pas de ref, d'accord. Moi je suis pas breton, je suis peut-être un peu normand. Un peu normand, un peu... Après il faut que je remonte sur mes grands-parents. Un peu hollandais, danois. Parisien, sinon... Hein. Rien de bien original. Mais par mon famille, on peut remonter côté flamand peut-être. Un beau mélange, ouais, ouais. Alors aujourd'hui, je stream sans le casque, donc il y a possibilité que le son soit peut-être de moins de bonne qualité ou peut-être qu'on m'entend moins. J'avais pas envie de mettre le casque en fait là. Je le garderai pour une occasion un stream horreur et narratif du soir. C'est stream nos prises de tête. On va essayer de se remettre dans le rythme du stream. Il y a plein de trucs qu'il faut que je me remette. Dark Souls, Fear, Dead Space. D'autres trucs. Sinon, je suis toujours surpris du peu de viewers sur ta chaîne. Tu es pourtant un bon animateur de stream. C'est gentil. Bah, je suis pas surtout, je suis pas du tout régulier. Je suis pas du tout assez régulier. C'est à cause de ça. Après, moi, j'adore ça. Je fais vraiment pour le plaisir. Mais je suis pas assez régulier. Il y a une époque d'ailleurs où j'avais un peu de gens, mais en fait, c'est incroyable parce que dès que t'arrêtes un tout petit peu, t'arrêtes. Je sais pas, peut-être une semaine ou deux trois jours. D'un coup, tu perds. Les gens aiment bien la régularité. Mais c'est gentil, en tout cas, je prends ton petit compliment pour mon petit cœur. Faut mettre une cam, ouais. Bah, j'en ai pas. Mais ça, c'est un truc que j'ai dans le coin de ma tête depuis un bout de temps. Un jour, je ferai ça. Parfois, je dissémine des photos de moi sur le Discord. Balek, salut l'Ubicode. Bah, c'est ce que je me disais au début, moi aussi, ouais. Il y a le fait que je m'en fous, il y a à côté aussi que j'ai gros problème de concentration.
Et moi déjà gérer deux trucs comme le chat et le jeu, je trouve que c'est déjà pas mal. Et gérer en plus la cam et du coup ce que je fais devant une caméra en même temps, les gens je pense qu'ils le gèrent pas du tout, mais je sais pas. Ça me coûterait. Puis là je suis en train de me dire que je suis en train de parler et je sais même plus ce que je fais. Voilà, je suis pas hyper multitâche. Comment tu vas Lumicode? Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Je suis sorti du lurk, tu n'as rien vu, j'ai de la fumée. Ninja. Ah oui, alors la cam 3D, oui. L'espèce de truc qui simule avec du, comment dire, des capteurs, là, il fait... simule un avatar avec... avec ta caméra. Ça peut être rigolo, ça j'aimerais bien essayer ça un jour, ouais. Mais encore faut-il qu'il faudrait que je me prenne une caméra. Mais j'y connais rien. Donc un jour je m'y intéresserai plus profondément, on va dire. J'ai récupéré un tout à l'heure, mais je sais plus. Bon, un caméscope. Oui, bah oui. Attendez, parce que le 48, j'ai pas un PDA là. Oh là là, ça y est, ça commence. C'est les embrouilles. Ça peut pas être ça. C'est ça qui m'avait saoulé à l'époque dans Doom 3, c'est les PDA et les caisses fermées, verrouillées, les caisses de rangement avec du matériel dedans. Il y avait plein de trucs qui m'avaient fait arrêter à l'époque. Et j'avais énormément joué à Quake 4 par contre. Mais Doom 3, j'avais pas aimé du tout. Enfin, j'avais pas aimé. L'ambiance était bien. L'ambiance est bien. Mais... Ah bon, Quake et Doom, ce sont quand même deux jeux différents. Même si on peut les trouver très similaires. Ils ont sorti une ressucée, oui, j'ai entendu ça, de trucs de Quake, Quake 1, là. J'ai pas compris très bien si c'était un remake, un remaster. Mais s'ils sortent quoi que ce soit, de toute façon, je serais content. Parce que moi, j'en ai marre qu'ils fassent des trucs Quake Champions et des trucs pour le multi. Moi, je m'en fous du multi. Moi, je reveux un Quake en solo. On détruit du Strog. Même si le Quake 4 était pas foufou, il était quand même en dehors. Et puis, il y avait deux, trois idées rigolotes dans le Quake 4. Où les méchantes chopaient et te transformaient en Strog. C'était rigolo. Mishmush. Oui, Quake RTX, c'est ça, oui. Alors, moi, j'ai pas, par contre, je sais pas si j'ai les trucs pour faire le RTX. Je sais pas si j'ai la... Ouh, ça c'est dans la bouche, hein, direct. Oh non, mais laissez-moi tranquille. Ah, oh. Des éléphants. Ah. C'est bon, j'ai compris. Comment tu vas, Mishmush? Quand on prend de l'âge, le multi devient hors de portée. Ouais, je suis pas sûr. Après, c'est vraiment une question de goût, je pense. Je dis pas que j'aime pas le multi, mais... Mais voilà. J'aime pas trop le multi, ouais. Je dis pas que, bon, tu sais, une soirée comme ça avec des potes, du multi en local, oui. Voilà, mais s'il y a un moyen de faire du multi en coop, je serais beaucoup plus partant. D'ailleurs, j'avais trouvé à une époque un mode coop pour Doom 3. J'avais joué à ça avec un ami. J'aimerais bien le retrouver. Et on n'avait pas réussi à finir le jeu parce qu'à un moment donné, on était bloqué. Je sais plus comment, ni pourquoi, ni avec qui, ni de quelle façon. Les réflexes, ah bah oui, non mais ça c'est sûr. Oui. C'est sûr. Mais après je suis sûr qu'il y a des exceptions, t'as des gens qui ont de l'âge et qui sont quand même des cracks, hein, je suis sûr. Tout ça c'est de l'entraînement, ça. C'est de l'entraînement, tout ça. Péjour.
Et notamment les trucs quand même qui fonctionnaient quand même très bien dans ce Doom 3, c'était l'ambiance. L'ambiance était vraiment géniale. À l'époque, quand tu jouais au Doom 1 et Doom 2 et que tu passais là-dessus, déjà tu te retrouvais dans un jeu qui faisait presque un petit peu peur. Avec l'ambiance et tout. Mais oui, hein, ouais, clairement, je suis d'accord, ouais. C'était pas habituel parce que bon, pour moi, Doom, c'était le jeu de... C'était Doom, quoi. Et ouais, t'en avais, ouais. Ça fonctionnait. Mais le jeu a pas eu le succès escompté, j'ai l'impression. Hein ? Les grenades complètement inutiles. Ils sont 3, j'utilise 3 grenades, bah évidemment. Ah là 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 là. Et oui, je disais du coup qu'à l'époque, c'est plutôt Quake 4 que j'ai saigné. Quand Doom 3 est sorti, Quake 4 est sorti juste après, ou je sais plus. Mais ils se suivaient de très près les deux jeux. Et ce qui m'avait saoulé, c'était le truc avec la lampe torche. Et après, bon, c'était un choix, mais... Ça m'avait saoulé cette lampe torche. Vous pouvez pas avoir une arme en même temps. Ah non, j'ai la molette qui fait bouger le chat. Attendez. Ah, j'ai la molette qui fait bouger le chat. Je vois plus du coup ce que vous faites. Ah. Ça m'arrive, t'entends aussi la molette. Ah, attendez. Ça va bien, je viens de rentrer du taf. Good. Ok, vous avez rien dit. Tout va bien. Tout va bien. Bonjour. Déjà, je pète les araignées de... Yon. Quake est le suprême leader des Strog, le Macron. What? C'est une blague ou... Je m'en rappelle plus. Le boss final de Quake, il s'appelait le Macron. Dans tous les Quakes? Ou dans genre le 2 ou le... Je me rappelle plus. Je suis très naïf, hein. Attention. Ah ouais, bon bah je te crois alors. Ah mais Quake 2 en plus, ça c'est mon favori Quake 2. Oh là là, c'est celui que j'ai fini un nombre de fois incalculable. Enfin un nombre de fois incalculable, je sais pas, mais j'ai joué un nombre de fois incalculable. Avec les codes très riches en plus, enfin vraiment en mode sale. Hein. En mode très très sale. À l'époque où je savais pas jouer un FPS ou un jeu de stratégie ou un jeu vidéo sans les codes riches. Hein. Sans sortir le classeur et imprimer une feuille de codes riches tout droit de jeuxvideo.com. Vraiment. Ah, c'était bien du Kunkem, mais il est où le... Il est où le rayon rétrécissant et le bazooka au premier niveau? Marc, le bazooka au premier niveau, tu pouvais le choper dans du Kunkem. Et le nombre de modes en plus, ouais. Ah bah quand tu découvres les modes en plus dans le milieu jeu vidéo, c'est comme un coq en pâte. Je pensais que moi les mods je les ai découverts quand j'ai joué à Minecraft ou à Mounted Blade. C'est l'un des deux qui me l'a fait découvrir les mods. Et après c'est comme quand tu trouves un... Faire des courses et t'as un mètre à ruban et tu veux tout mesurer. Et ben là t'as découvert les mods. Et à l'instar de vouloir tout mesurer, tu veux mettre des mods partout. Tout est modable. Mais oui, ça doit être soit Mountain Blade ou Minecraft qui m'a fait découvrir les mods. Ouh, le joli bébé. Ouh, joli bébé. Aïe. Et ces bêtes-là aussi, hein, tout droit de... Je sais plus ce que je veux dire, mais c'est, elles ont été dans le film Doom. Hein.
Une Dune d'ailleurs que j'ai pas trouvé si mauvais en fait. C'est pas une des pires adaptations de jeux vidéo. Et puis bon, il y a des bons moments de bravoure je trouve quand même. C'est loin d'être un chef-d'œuvre évidemment, mais il y a quand même bien pire. Même au niveau de juste adaptation de jeux vidéo ou de adaptation de FPS. Je sais pas si on a eu beaucoup des adaptations de FPS en même temps. Il y a eu Doom, il y a eu Far Cry. Je sais plus si on a eu d'autres. Et un film Doom, t'as les bestiaux comme ça là. Ah oui, Alone in the Dark. Oh ouais. Film Alone in the Dark avec pourtant l'acteur que j'adore. Et ça me fait chier qu'à chaque fois j'arrive jamais à trouver un bon film. Enfin, il y en a quand même quelques-uns. Il y a True Romance et un autre truc, Very Bad Thing aussi, mais lui, il faut que je le vois. On a dit beaucoup de bien. Christian Slater, quand même. Cette tronche. Il n'y avait pas Casper Van Dien dans Doom. Je sais pas. Alors là, le nom que tu m'envoies me fait un peu consonance allemande machin. Et du coup, ça me fait penser au mec blond qui meurt dans les chiottes. Vous savez, je sais pas si c'est lui dont tu parles. Il y a un mec qui meurt de manière vraiment honteuse. Ah, je sais plus. Je me rappelle pas. Je me rappelle plus des acteurs dans Starship Troopers. Je me rappelle qu'il y a Michael Ironside qui meurt comme dans tous les films, quasiment tous les films où il joue. Et je me rappelle que c'est pas Paul Verhoeven qui a réalisé ça. Oui, il y a The Rock dans Doom évidemment. Dwayne Johnson. Tiens, à propos de Dwayne Johnson, j'ai vu Jungle Cruise. Honnêtement, voilà, je suis pas un fan, comment dire. De la première premier instant machin où je me disais bon c'est un truc Disney, voilà, c'est un divertissement sympa. J'y suis allé avec ma nièce et ma soeur et bah c'était pas mal du tout. C'était sympa quoi. Il y a un côté un peu Pirates des Caraïbes, c'est un film familial quoi, mais c'est Disney. Je trouve que c'est Disney dans ce qu'il sait faire de moins gnangnan. Enfin, il y a un côté un peu t'entends lourdingue avec les blagues et tout, mais c'était vraiment pas mal du tout, je trouvais. Ouais, The Rock, ouais. Il est comment ça s'appelle, un capital sympathie plutôt bon. Tonton Archie, bientôt dans la tontonnerie. Ah oui, ma nièce, ouais. J'ai deux nièces. Ouais. J'y suis allé avec ma plus grande nièce. J'aimerais bien trouver le code. Et du coup, Jungle Cruise, franchement, je vous conseille. Hein. C'est vraiment rigolo. Il y a plein d'idées. Il y a un petit peu des moments un peu bon, ils font un petit peu peur. Enfin, bon, pour les plus jeunes, il y a un côté Pirates des Caraïbes, je trouve. C'est très sympa. Deux nièces amateurs, j'en ai 11. Waouh, t'en as 11. Enfin, moi, je connais ça. Hein. Après, les grandes familles. Ma mère, c'est la 11e ou la. La dixième d'une famille de 11. Donc j'ai un paquet de cousins. Après, les nièces, bon bah, j'en ai que deux. Parce que ma soeur n'a fait que deux enfants. Mais voilà. Bon, le code. Pourriez-vous fouiller dans le cul du chat? Le code est caché dans le fondement du chat. Et du coup, Casper Van Dien, ah, attendez. Petite pause. Microscopique pause, je veux juste savoir qui. Parce que ça se trouve, je le connais, cet acteur. Casper Van Dien. Bon, ça se trouve, c'est une connecte. Ah non, non. Ah, mais attends. Ah oui, non, oui. Bah oui, le héros principal. Ah là là, putain. Mais... Lui, il a eu son heure de gloire aussi. Hein. Ah, j'avais pas du tout enregistré son nom, c'est marrant. Ouais, bah c'est le héros de Starship Trooper, évidemment. Le nombre de Starship Troopers qu'ils ont fait après. Sachant qu'à mon avis, le meilleur, c'est le premier, évidemment. Terrible.
Mais du coup, non, c'est pas lui que je pensais. Donc, il joue pas dedans, non. Non, non. Il y a The Rock. Et puis après, les autres, c'est dur de trouver les noms des acteurs. Ah, bah si, il y a la blonde. Comment elle s'appelle, la blonde, là? Elle joue dans plein, plein de films. Ah, puis il y a Karl Urban aussi. Quand même, The Butcher, s'il vous plaît. Il a une tronche, lui. Lui, c'est l'héros Irim, quand même. Et Homer, le Seigneur des Anneaux. Karl Urban. Et Butcher dans The Boys. Soldat, j'ai pu vous localiser. Très très bonne série Le de système Amazon. de communication interne commence à dérailler sérieusement. Toute la base souffre de dysfonctionnement des systèmes. Je ne sais pas combien de temps je pourrai vous suivre. Tu ne sais pas, tu ne sais pas, mais à quoi tu sers? Continuez comme ça. Vous n'êtes pas Continuez. loin derrière. D'accord. Atteignez l'usine en pro aussi vite que possible. Ah bah oui, The Boys, hein, quand même. Là, tu sens en plus que c'est vraiment Amazon qui y a les. Il a le libre choix du sang, du tout. Hein. Ça fait plaisir. Ça pète dans tous les sens. Et on censure pas le sang. Et je suis. Bah j'ai fini la première saison. J'avais regardé les premiers épisodes de la deuxième, mais c'est tout. Et Karl Urban, quoi, c'est. Ah oui! Non mais je suis pas méchant moi. Non, parce que j'ai envie de le retrouver vivant. Voilà. Mention spéciale pour le super Ossec géant dans la saison 2. D'accord, je vois pas de quoi tu fais référence mais. Ah, bah voilà, bijour. Merci de m'avoir sorti d'ici. J'ai été piégé dans la salle au moment de la coupure de courant. C'est bête. Je ne sais pas ce qui se passe ici. Je ne comprends pas pourquoi Ah non, aucun je l'ai pas fini. Système ne répond plus. Je vais essayer d'établir une liaison avec le système central depuis ici. C'est un terminal sécurisé. J'arriverai peut-être à obtenir une Ah, j'essaie connexion. d'arriver jusqu'à l'endroit où je suis arrivé sur Switch. En Normandie, j'étais arrivé à un moment donné avec un pistolet à plasma et il y avait des têtes en feu. C'est tout, j'avais arrêté là. Sur Switch, c'est vraiment dommage. Le jeu par contre tourne très très bien, mais je suis définitivement pas du tout. J'ai définitivement du mal à jouer à un FPS avec une manette, avec des sticks et tout. Pour moi, c'est un FPS, c'est la souris, hein, souris clavier, sinon. Je vous laisse, l'appétit m'appelle. Ça marche à tonton Momu. Mange bien, bon appétit à toi. Et merci d'être passé. Et bon dimanche. Exactement. Des bisous. Bonne reprise, ouais. Merci. Ah, ce que vous avez là. Ah mais attends, mais il faut mourir là. Merci beaucoup. Naméo. Merde. J'aime bien utiliser le flingue tentant pour économiser les autres armes. Et là où les Bretons vous préfèrent. Qu'est-ce que c'est que ces saloperies? C'est bon? A pu? Ah, ça me fait penser qu'il faut aussi que je rejoue à Resident Evil 8. Hein. Je l'ai terminé le jeu. J'avais à la base aussi prévu de le terminer en hardcore. Mais il faudrait aussi que je joue au mode mercenaire. Je l'ai toujours pas touché. Ça peut être une occasion d'y rejouer. Je crois que le jeu, je l'ai désinstallé par contre. Tu veux pas mourir? Vraiment. T'es sûr?
Et boum. Aïe. Et non mais... Et... Ah c'était saloperie. J'ai oublié des trucs ou quoi? Michael Abrams. Journal de la sécurité numéro 3072. Michael Abrams, chef de la sécurité Delta, 15 novembre 2145. Je reviens de la division de l'armement où on m'a distribué une des nouvelles armes BFG série 9000. Ah ah. C'est pas des blagues. Il est vraiment plus léger que les prototypes précédents. Tiens, ça fait penser, je vous le dis là, pour le moment, je sais pas quand est-ce que ça va se passer cet après-midi. Mais il y aura sans doute un stream avec Harrison Rez et Nobrive sur Lego Worlds. Je vais m'assurer que cet après-midi, prise en charge à tour de rôle par la division d'entraînement pour un briefing sur les je verrai si je stream en même temps qu'eux. Il y a des problèmes de sécurité dans les labos. Il y aura deux streams en tout cas. Peut-être moi en même temps. Pour enquêter et j'arrive plus à les joindre sur aucun canal de communication. Attendez. Je pense que je vais devoir y aller. Merde, je déteste les labos alpha. Un tas d'imbéciles incompétents. Bon, je me dirige par là-bas. Je finirai ce rapport de sécurité au retour. Ah, encore une chose. Je vais laisser le BFG dans mon bureau fermé à clé pour l'instant. Faites changer le code de ma porte en 901 par le service de sécurité informatique. Je veux que personne ne touche à cette arme. Ah. Chef Abrams, fin du journal. 901. Donc ça veut dire que 901, c'est 931 alors. 931. Si on remplace le 0 par un 3... Ah, j'ai déjà des munitions pour le pistolet plasma là. Plasma rifle. Soldats, les diagrammes de la base indiquent que toutes les voies de sortie de votre secteur sont bloquées. Votre seule solution est de traverser le FR. Un sous-système mécanique offre deux routes possibles. En activant le système, vous pourrez accéder à la route la plus directe, mais aussi la plus dangereuse. Ah! Mais il n'y a pas d'éclairage. Faites votre choix, Murray, et bonne chance. Maru. Aïe, oh non. Oh non. Franchement, là, c'est la honte. Je survis à des fusillades face à des zombies marines. Un sous-système mécanique et je me tue dans une échelle. Activant le système, vous pourrez accéder à la route la plus directe, mais aussi la plus dangereuse. Le vraiment. De service là, c'est honteux. Pourquoi est-ce que le zoom... Ah là là, mais... Ah ouais, mais j'ai le zoom qui s'active là, alors que j'étais dans le jeu, mais... Je vois rien. Qu'est-ce que c'est que cette sombre histoire? Et du coup, le chat, il part dans tous les sens. Ok. Risqué, mais il n'y a pas d'éclairage. Faites votre choix, Murray, et bonne chance. Ah oui, ils viennent que quand j'active le pont, c'est ça? Les ponts. Voilà. Naméo. Ah, c'est grand. C'est grand, grand. Yeah.
Ça suffit. Si j'active le micro au bon moment, ça marchera aussi. Ah, je vais bientôt aller manger d'ailleurs. J'aimerais bien au moins qu'on aille récupérer le fusil plasma là. Avant que je doive arrêter. Mais c'est imminent. C'est imminent. Aïe. Ah non, mais pas passé. Ah, c'est saloperie d'araignée là. On n'a pas croisé un stockage à un moment donné? Non, peut-être pas encore. Je me rappelle du code à mettre. 931. Ah purée. Y'a rien d'autre ici. Il sauvegarde. Je m'attends à ce qu'il y ait des bestioles qui sortent des trous là. Évidemment. J'ai allé là ou pas? Je sais plus. Ça y est. Avec le micro c'est mieux. Voilà un bon gunfight pour terminer ce stream. Ah. Allez-y, on va s'arrêter ici du coup les amis. Hop. Et j'essaierai de continuer ça peut-être cet après-midi avant, avant de faire le... Avant de rejoindre Nobrive et Risen Rez. On verra bien comment tout ça se combine. Et bien, voilà. D'ici là, je vous souhaite un bon appétit si vous n'avez pas encore mangé. Ce qui est possible, hein, même s'il est très tard.